Bon matin YouTube! J'espère... Yark! J'espère que ça va bien! On est samedi le 10, il nous reste pas beaucoup de temps à Bali, c'est notre dernier samedi. Fait que aujourd'hui, moi et Karine, on s'en va à la plage. Je l'attends, comme d'habitude. Puis ben c'est ça. Aujourd'hui, on va juste à la plage. Fait pas grand chose. On bronze. Ce soir, on va à une petite soirée organisée par ma collègue à l'école. C'est tout. On s'en va à la plage. Cette vidéo-là, cette semaine, ben aujourd'hui, est commanditée par toutes les personnes qui m'ont reproché de ne pas les avoir mentionnées dans ma vidéo où j'expliquais les 5 choses qui me manquaient du Québec. Shout-out à Joe, à Jas, Alex, Justine, MC, Jay, puis tous les autres là qui me l'ont pas encore reproché, mais je sais que vous le pensez. Oupsie, sorry! Mais là, vous pouvez plus charler, je vous ai shout-out aujourd'hui aussi. Ce matin, j'ai aussi perdu au moins 10 ans. En me rasant, hein? Ça a pris 15 minutes, puis j'ai l'air d'avoir 13 ans maintenant, fait que c'est ça. Je sais pas si j'aime mieux avec ou sans. C'est sûr que quand j'ai une barbe, j'aime mieux que ce soit en contrôle, pas hors de contrôle, comme les derniers jours l'étaient, parce que ici j'ai aucun moyen de garder ça en contrôle, j'ai pas de rasoir. Montréal, ouais. So, c'est ça. Je sais pas ce que j'aime le plus. What's up, guys? What's up? On est rendu à la plage. C'est pas un feu comme la dernière fois. Là, cette fois-ci, il fait soleil pour vrai. Wow, du soleil. Yeah, je le vois même pas. Là! C'est notre dernier samedi à bronzer. Faut en profiter. Vas-y, citronner les cheveux. Il reste juste à profiter. On a amené Marianne avec nous pour la faire bronzer. Petite activité quotidienne à Bali, son bronzage est en fili. Regardez comment elle fonce. Après avoir passé la journée à frire comme un œuf dans une poêle, comme dans une poêle. Ça va manger dans un restaurant grec qu'on a bu ces temps-ci. Puis on se voit tantôt. On va prendre notre douche, puis on est dégueulasse, on est tout huilé. Yark! Moi, je suis plein de citron en tête. So, à tantôt! Bon, on est rendu au restaurant. Grec, ça s'appelle Nastimon. Si vous voulez la bouffe grecque, ultra bonne à Bali. La place à venir. En plus, c'est super cute comme endroit. Karine, c'est mal! Ouais, fait que là, on a commandé notre bouffe. Waiting. On prend toujours la même chose, c'est un peu gênant. Mais bon, c'est pas grave. Miam! On a reçu notre bouffe. Je t'ai coupé. T'as un sourire. En ce moment, puis je vois enfin un vrai coucher de soleil balinais. C'est le plus beau depuis qu'on est ici. Regardez ça. C'est genre une immense. Aujourd'hui, je tape. Ça n'a même pas rapport. Les chiens partent qui jouent. Ça n'a juste pas rapport. Je veux dire qu'on s'en va dans 7 jours. Je capote un peu. Bon, revenu à la maison, c'est pas mal la fin du dernier samedi à Bali. C'est quand même fou de penser que quasiment 100 jours, plus que 100 jours sont passés déjà, que ça va faire quasiment 4 mois qu'on est ici.
qui est dans moins d'une semaine. On décolle pour tourner au Québec après un projet qui a pris tant de temps. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce projet-là. Qu'enfin, ils prennent fin. Ben enfin, c'est triste qu'ils prennent fin, mais que là, c'est la fin pour de vrai. Il nous reste un cours à l'automne prochain pour conclure tout ça. Mais sinon, le gros du projet est fini. Au moins, j'ai eu la chance de voir le plus beau coucher de soleil que j'ai vu depuis que je suis ici. Je suis vraiment content de ne pas l'avoir manqué. C'était incroyable. C'était juste une énorme boule de feu, le soleil. Ça avait même pas rapport. Fait que c'est ça. Puis demain, dernier dimanche, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire demain, mais on a des travaux à faire. Peut-être que ça va être ça qu'on va faire. Sinon, ben là, on se prépare pour aller chez notre collègue de l'école. Il y a une petite soirée, un petit apéro, comme on dit, chez les Français, chez elle, dans sa maison. Donc, on va se préparer pour ça, puis on va tranquillement commencer à s'y rendre. Il faut être là pour 8 heures, là, il est 7 heures moins quart. Donc, on se revoit demain. Bye! Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais j'ai tellement soif tout le temps. C'est peut-être parce que notre femme de ménage ne met pas de bouteilles d'eau sur la machine à eau, même si on les a enlevées et qu'on les a laissées pour qu'elles les changent.